العالمين الحمد لله كلما انتحى حمد تجدد إثره حمد آخر والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا همة الشيخ أخبري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ainsi, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons de son prophète, à savoir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons à Allah qu'il nous agrée, qu'il agrée la radio Al-Fayda, mais aussi qu'il parachève sa grâce sur tous nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment-là. En effet, la dernière fois, nous avons parlé et abordé le sujet qui tourne autour du soufisme, qui on pourrait traduire par la spiritualité musulmane. Et certainement, ce soufisme provient de quelque part. Est-ce que le mot soufisme est une mutation d'un autre mouvement? Mais je pense que c'était là votre question. Alors donc, il faut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme étant une grâce à l'humanité tout entière. Et à cet effet, Dieu dit « Omar sallallahu illa rahmatan lil alamin » Nous ne t'avons envoyé qu'étant une miséricorde pour l'existence tout entière parce que le mot « alam » veut dire tout ce qui n'est pas Dieu. Donc, les anges, les êtres humains, les choses, les animaux, les galaxies, le prophète Mohammed représente une grâce vis-à-vis de toutes ces choses-là. Alors, ce grand prophète-là, qui est le prophète Mohammed, la plus grande grâce dont il détient, c'est la grâce même de la proximité d'Allah. Parce que tout bonheur que nous recherchons, c'est de Dieu que nous le recevons. Alors, ceux qui sont plus proches de Dieu, sont ceux-là qui bénéficient davantage de cette grâce-là. Donc sa mission, en effet, c'est de tirer les êtres humains des ténèbres vers la lumière de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu subhanahu wa ta'ala nous a promis une récompense si nous acceptons de le suivre. Parce que Dieu, il a voulu qu'on ne l'adore point dans la contrainte. S'il avait voulu, il aurait contraint toute l'humanité à l'adorer. La ikraha fiddin. Alors donc Dieu nous a donné le choix d'accepter de l'adorer comme de refuser de l'adorer et en cela là nous sommes tous responsables des actions que nous posons. Alors donc le soufisme, on pourrait dire que c'est une mutation de l'ascétisme qu'on appelle az-zuhd. Az-zuhd. Donc j'ai dit la dernière fois que Cheikh Ibrahim Niass radhiyallahu ta'ala anhu dans sa définition du soufisme, il avait dit qu'il n'a pas de tasawwuf. Zahadatun wa ibadatun wa ma'rifa. Que le soufisme n'est rien d'autre que trois grandes valeurs. D'abord, l'ascétisme qu'il appelait Zahada. Vous voyez le mot Zuhud ou Zahada. C'est une autre dérivée, j'allais dire, à l'éclinaison du mot Zuhud. Et donc, le soufisme d'abord part de l'ascétisme, le désintéressement. Et c'est vivre dans le dénouement total. Alors, cela s'est produit pendant la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On peut dire qu'il y a des facteurs qui ont créé cela. On pourrait voir d'abord le facteur lié à la société dans laquelle les compagnons du prophète Mohammed, y compris lui-même, vivaient. Vous vous rappellerez que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été mis en mission par Allah subhanahu wa ta'ala, il a été mis en quarantaine par les Mekkois. Donc lui, avec les premiers musulmans, se sont retrouvés derrière des montagnes où il n'y avait rien, où ni négoce, ni commerce était permis avec eux. Alors donc, ils vivaient du peu qu'ils avaient. Alors donc, ils étaient contraints de se suffire du peu. Et alors, cette contrainte sociétale, parce que ce n'est pas eux qui l'ont voulu, c'est la société qui les a obligés de vivre ainsi, les a déjà entraînés à ne se suffire que du peu. Alors donc, c'était un premier facteur. Mais il n'y a pas eu seulement que ce facteur pour société. Il y a eu un autre facteur. Voyez-vous, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour enseigner la religion. Donc il y a eu un facteur aussi religieux. Quand vous voyez le Coran, vous lisez dans le Coran, vous allez voir que le mot dunya a été cité dans le Coran de quelque 115 fois. Et toute fois que dunya, c'est-à-dire le monde ici, a été cité, c'est dans le but de le blâmer. Et le mot « akhira », qui est l'au-delà aussi, a été cité de quelque 115 fois.
Mais toutefois, que le mot akhira, qui est l'au-delà, ait été cité, alors c'est mettre un accent particulier sur l'importance de la vie dans l'au-delà. Alors donc, c'est là à cultiver dans le cœur des musulmans l'amour de l'au-delà et se désintéresser du monde ici-bas. Quand vous voyez dans le Coran, Baltou, Siruna al-Hayata dunya wal akhiratu khairun abqa, alors vous préférez le monde ici-bas alors que l'au-delà est meilleur et éternel. Alors tous ces versets viennent pour nous dire que ce monde ici-bas n'a aucune importance. Et ces gens, ça ne tombait pas dans les oreilles des sourds. Et c'était un enseignement que Dieu donnait et qui était, j'allais dire, repris par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ça a créé en eux l'amour de l'au-delà. Et finalement, ils se sont petit à petit désintéressés des biens et se sont détachés des biens de ce monde ici-bas. Mais il n'y a pas seulement que cela. Alors, les premiers, quand vous regardez c'est même la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était une vie assez modeste. Il vivait avec sa petite famille. Souvent, il surveillait, il va demander à sa femme, y a-t-il quelque chose à manger? Et quand celles-ci disent que, ah, Mohamed, aujourd'hui, il n'y a rien à manger, il dit, alors donc, je préfère jeûner aujourd'hui. Ça veut dire que cette vie était une vie très, très simple. Ce qu'il gagnait, c'est ce qu'il utilisait. Et quand il n'a rien, il se suffisait de jeûner et continuer cette vie comme ça. Une vie aussi modeste. Et souvent, quand il avait de l'argent, il préférait même le donner à autrui que de donner à sa famille souvent. On se rappellera quand il a reçu les plus grands cadeaux qui ont été envoyés par le roi de Bahreïn quand il est devenu musulman. Alors ils sont venus avec de l'argent. La mosquée était remplie de biens. C'était des conteneurs à ces époques-là. Parce que là, c'était des Les chameaux. chameaux, Voilà. les Alors, donc, caravanes, des là. caravanes qui étaient remplies de colis, de cadeaux à l'endroit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a reçu tout cela, alors donc, les gens étaient étonnés. Même ceux qui ne venaient pas prier à la mosquée à Fajr, ils se sont tous retrouvés à la mosquée ce jour-là à Fajr. Le prophète, quand il est arrivé, il a dit, ah, vous avez appris qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Alors donc, il a commencé à distribuer tout ce qu'il a reçu. Il a dit, ya Bilal, il dit, ya Bilal, il dit, ya Bilal, anfiq, voilà, takhaf min zil arshi ilal. Il dit, donne et distribue tout. N'aie pas peur que ça va finir parce que Dieu est là. Alors donc, il n'accordait pas de l'importance à ce qu'il avait. Il a même donné que quand c'est fini, il est revenu encore pour redonner à ce qu'il avait donné. Alors donc, il a enseigné à ses compagnons cette vie-là où on mettait l'accent sur la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un point et un trait. Mais il n'y a pas eu que ça seulement. Il y a eu aussi d'autres facteurs. N'oublie pas que je suis en train de traduire la définition que Cheikh Ramiyas a donnée, qui nous ramène à l'asceticisme, à la zahada. Alors que nous n'avons même pas encore défini la zahada. C'est vrai que c'est le désintéressement vis-à-vis de ce monde ici-bas. Mais en même temps, on peut aussi approfondir la définition. Mais je vais voir tous les facteurs d'abord. Alors, Il y a eu des conflits aussi qui ont joué en faveur. c'est ça que nous allons dire que les facteurs politiques. Les Ok. facteurs politiques, parce que après que Sénat, j'allais dire Osman, a été élu, quand il est élu, il a été porté, choisi par la compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme les khalifs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, on a vu la première fitna. C'était l'époque de la fitna. Sénat, Osman alayhi salatu wa sallam, et radiallahu anhu, il était obligé de ne choisir que les personnes en qui il avait confiance. Donc c'était généralement les membres de sa famille. Alors donc c'est comme si qu'on a eu Abdullah ibn Sabai, ce juif-là qui s'est fait passer pour un musulman, qui a commencé à créer des clans et semer la zizanie dans le cœur de certains musulmans qui l'ont suivi malheureusement. Donc ça a créé une grande fitna. Et ce qui a débouché sur la mort et l'assassinat de Sayyidina Ousmane. Alors, C'était une véritable grande fitna, parce que à part Abou Bakr, l'ensemble des Sahaba qui ont suivi ont été assassinés. voilà, tout à fait. Voilà. Alors donc, ce même Abdullah ibn Sabaï qui s'était fait passer pour un musulman, c'est lui aussi qui avait commandité l'assassinat de Sayyidina Omar. Alors donc, il continue à injecter son poison pendant la vie de Sayyidina Ousmane et ça crée vraiment toute une déchéance et Ousmane décède ou Ousmane a été tué de la plus vilaine de manière. C'est ainsi que Dieu a voulu. Alors, bref, donc ça a créé une guerre entre la famille d'Ousmane,
les Omayyades et puis les autres. Donc automatiquement, Sayyidina Ali qui a pris la khilafa après s'est retrouvé en face de beaucoup de problèmes. Il a pris en héritage aussi tous les conflits. Hein. Tous les conflits. Et là, c'était l'émergence même de la politique. Alors donc, c'était un facteur politique. Et après la guerre de Siffin, où il y a eu tellement d'effusions de sang, certains compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont réfléchi, ont vu que vraiment, ce que nous voulons, ce n'est pas la politique. Ce que nous voulons, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, ces gens-là ont décidé de se retirer dans leur maison, à partir de ce facteur politique-là. Et ils sont restés dans leur maison, à leur tombe. Parce que ces personnes ont refusé de sortir. Il y en a qui ont laissé les grandes villes, qui se sont retrouvés dans les petites villes, dans les villages, où ils se sont adonnés à l'adoration, dans un dominement total avec le peu qu'ils possédaient. Et ça aussi, ça crée en eux cet esprit-là de se désintéresser de dunya et de voir que l'au-delà. Alors tout ça, l'un dans l'autre, a créé cette dimension que nous appelons l'ascétisme, que nous appelons zahada. Alors, mais en même temps, les zuhad ont été créés déjà. Ils sont là, ils se sont adonnés à l'adoration. Et dans cette adoration profonde-là, alors Dieu a répondu à leur appel. Et cela a donné naissance à quelque chose d'autre. Mais on va aussi dire que Sayyidina Omar ibn Abdelaziz, et à l'an 99, quand il a été porté comme le khalif des musulmans, a envoyé... Omar ibn Abdelaziz, qui est le petit-fils de Omar ibn Khattab. Alors celui-là qu'on appelait Khamisul Khulafa, le cinquième khalif. D'ailleurs, même, c'est un plaisir pour moi de parler de Omar Abdelaziz, parce que moi-même, je me nomme Omar Abdelaziz. Alors, vraiment, pendant son règne, il faut dire que l'État musulman avait senti toute une quiétude. Voilà, les biens de l'islam ont été partagés de manière très équitable, à tel point qu'on pouvait chercher un pauvre pour lui donner le monde, la sadaqa, et qu'on ne trouvait pas ce pauvre-là. Alors, donc, les gens vivaient vraiment dans un équilibre parfait. La société était heureuse d'avoir un grand maître comme lui. Alors donc, celui-là, il a envoyé 10 compagnons du prophète sallam et tabi'in vers l'Afrique. Parce qu'à l'an 78, l'Afrique déjà avait commencé à vivre un véritable musulman hédurien. Alors donc, Omar ibn Abdelaziz, à l'an 99, quand il est devenu le khalif des musulmans, il a pris 10 grands alims, savants musulmans, qu'il a envoyé en Afrique. Beaucoup d'entre eux sont installés en Tunisie. Alors, la plupart de ces personnes étaient tous des ascètes. Alors, donc, ceux-là, ils ont enseigné l'ascétisme à leurs disciples. Donc, tout ça a permis de développer la dimension de l'homme ascète, zahir, dans cette communauté musulmane. Alors, donc, on pourrait parler ainsi pour dire l'histoire un peu de l'ascétisme, comment est-ce que ça a commencé, avant même que ce grand mouvement ne se transforme et donne une autre, j'allais dire, dimension que plus tard on va appeler le soufisme. Le sens profond de l'ascétisme ici, qu'on appelle Az-Zahada. Az-Zahada, on peut le qualifier à deux grands niveaux. Az-Zuhudu ma'at-Tamlik. Être un ascète dans la possession, ça veut dire dans la richesse. Tu as tout l'argent du monde, mais en même temps, tu es le maître de ce que tu possèdes. Tu n'es pas l'esclave de ce que tu possèdes. Et donc, ça, dans l'exemple de ce que le prophète a reçu, la caravane qu'il a pu distribuer. Tout à fait. D'accord. Donc, on ne dirait pas qu'il est totalement dans le dénouement, qu'il est pauvre. Il a tout, mais comme c'est lui qui est maître de ce qu'il possède, il fait de ce qu'il tient comme il veut. Alors, donc, il y a eu des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui ont vécu ce type d'ascétisme. Je vais parler de l'exemple d'Abdullah ibn Omar, qui était le fils de Sidna Omar. Lui, quand les gens ont commencé à parler d'ascétisme, de désintéressement, il a dit que c'est tout à fait injuste
pour un homme de dire que moi, je m'en fous de l'argent alors que j'ai jamais été riche. Il se peut qu'il ne connaît pas le goût, la saveur de l'argent. Alors donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait travailler, pratiquer le commerce jusqu'à ce qu'il soit riche. Et après, il s'est débarrassé de tout ce qu'il possédait. Il a dit, maintenant, je peux me nommer comme un ascète, comme un zahid. Mais celui qui n'a jamais goûté à l'argent, quand ce dernier dit que lui, il s'en fout de l'argent, toi, tu n'as jamais eu 1 million dans ta vie, et tu dis que tu t'en fous de 1 milliard, c'est parce que tu ne connais pas l'argent. Alors, nous sommes ici encore de voir très souvent, on aime dire que c'est juste pour rire, hein, que notre cher président, le père fondateur même du pays, Fobani, qui disait que quand tu donnes de l'argent à quelqu'un qui refuse de prendre, c'est que ce n'est pas beaucoup. Hein? Alors, donc, il fallait se développer spirituellement pour voir que il ne faut pas avoir confiance en ce qui est dans ta main, mais plutôt avoir confiance en ce qui est dans les mains d'Allah pour toi. Alors donc, l'ascétisme pour eux, c'était ça. Voir ce que Dieu, ce que tu as pu économiser dans les trésors de Dieu, mieux que ce que tu as dans ta main. Parce que quand ils lisent le Coran, est-ce que Dieu n'est-il pas suffisant pour son serviteur? Alors donc, quand ils voient ça là, donc tout ce qu'ils possèdent, ils retournent dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, en termes de mérite. Donc, ce qu'ils regardent dans les mains de Dieu leur inspire confiance plus que ce qu'ils gardent dans les trésors eux-mêmes. Alors que vous voyez, notre vie ici est tout à fait différente. Quand tu vois quelqu'un parler avec assurance, c'est en fonction de ce qu'il a en compte bancaire. Voilà, donc quand il commence à parler avec beaucoup, beaucoup d'humilité, c'est parce qu'il n'a rien. Eux, ce n'était pas comme ça. Alors, bref, mais en même temps, donc l'ascétisme dans la possession, mais aussi l'ascétisme dans la pauvreté. Donc il y avait deux types d'ascétisme. L'ascétisme dans la pauvreté, c'est des personnes qui disent que nous-mêmes, on ne veut même pas avoir d'argent. Mais ça dépend des états d'esprit. Il y a des personnes, quand ils ont beaucoup d'argent, automatiquement, l'argent va tellement les influencer que finalement, l'argent sera leur maître. Quand tu te sens incapable de posséder l'argent, en même temps être le maître de l'argent, il vaut mieux t'en débarrasser. Donc eux, ils ont senti cette faiblesse-là en eux. Ils ont préféré ne même pas avoir de l'argent. Ils se sont suffis du peu qu'ils ont. Donc, leur type d'ascétisme, c'est azuhru fi dunya. C'est-à-dire, c'est des ascètes dans ce monde-là. Et azuhru en dunya est aussi des ascètes contre le monde. Ils s'en foutent du monde, ils ne veulent pas le monde. Donc, chacun doit veiller sur son état d'esprit. C'est en fonction de ça qu'il possède ou bien qu'il lâche. Alors, donc, on a eu ces deux types d'ascétisme. Alors, donc, tout ça, l'un dans l'autre, quand on va comprendre le sens profond de l'ascétisme, comprendre que, après, quand les choses s'est développées, les gens ont compris que l'ascétisme, il s'agit plutôt de se débarrasser, pas seulement de dunya pour l'au-delà, mais se débarrasser de deux mondes pour Dieu. Et ça, c'est une autre dimension de l'ascétisme. Ça veut dire que la personne, là où elle parle, elle n'est pas en dunya, sur dunya, elle n'est même pas dans l'au-delà, elle vit en Dieu. C'est-à-dire, elle ne vit pas dans le monde, elle ne vit pas dans l'au-delà, elle vit en Dieu, la personne. Alors, cette dimension est une dimension profonde de l'ascétisme. Fasse Dieu que nous puissions quand même empêtrer ces valeurs. Ça me rappelle un peu les propos de Rabia, qui disait que pour adorer Dieu, non pas par amour, non pas par crainte de l'enfer. Mais adore Dieu parce qu'il est digne d'être adoré. Allah, Dieu est digne d'être adoré. Donc, ce niveau de compréhension de se débarrasser aussi bien, parce que pour elle, toute adoration intéressée est une adoration cachée. Tout à fait. C'est une dimension spirituelle. Maintenant, pour voir comment est-ce que la mutation s'est faite, depuis l'ascétisme jusqu'au soufisme, il est bien de savoir que les valeurs naissent avant leur nom. Je veux dire, vous-même, quand vous avez votre enfant, ça prend sa naissance que vous lui cherchez un nom, n'est-ce pas? Voilà. Alors donc, le soufisme, c'est un ascète. Et je veux dire, c'est une dimension spirituelle. Avant son apparition, en termes de valeur, elle était là. Et nous avons expliqué la dernière fois que le soufisme, c'est juste la pureté et pour pouvoir faire un cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala.
et personne ne peut dire que le prophète ne l'a pas enseigné. D'ailleurs, même très souvent, nous sommes étonnés de voir certains frères chrétiens d'autres religions révélés, juifs, qui disent que non, l'origine du soufisme islamique est bien le christianisme ou bien le judaïsme. Parce qu'eux aussi, ils ont cette dimension Oui, bien sûr. d'ascétisme-là. Alors, quand on leur a posé la question de savoir, mais l'origine du soufisme chrétien ou judaïsme provient d'où? Ils disent que ça vient d'Allah. On leur a dit que Dieu est-il incapable aussi de donner aux musulmans? Alors, vous pensez que vous pouvez recevoir de Dieu, que les musulmans, eux, ne peuvent pas recevoir de Dieu? C'est une manière de voir que si Dieu est le véritable donateur et qu'il est éternel, comme je l'ai dit la dernière fois, tel qu'il a donné au premier, il peut toujours donner au dernier. Et le Dieu qui a donné à Moïse, le Dieu qui a donné à Jésus-Christ, Isa, c'est ce même Dieu qui a donné au prophète Mohammed. Et là, de manière très abondante. Alors, je le dis, j'insiste là-dessus, de manière très abondante. Alors, donc, bref, donc, le véritable sens s'est développé aussi dans leur cœur, petit à petit. Et cela vient pour rejoindre un enseignement que Sidna Issa a donné et qui disait que Man amila bima ya'lam, celui qui met en application ce qu'il sait, Dieu lui donne la connaissance de ce qu'il ne sait pas. Alors donc, il y avait un état. Les gens se sont mis à appliquer tout ce qu'ils avaient reçu comme information venant d'Allah et comme loi. Et petit à petit, Dieu a commencé à répondre à leur appel. Parce qu'il faut comprendre que le serviteur ne peut pas être mieux que le maître. Dieu vous a recommandé quelque chose. Si vous employez à le faire, lui à son tour, il doit vous faire quelque chose, il doit vous faire montre d'une certaine grâce. Alors, comme les premiers ont commencé à agir, petit à petit, Dieu a commencé à leur donner ce qu'on appelle ar-raqa'iq. Leur style de langage a commencé à changer. Et cela, c'est parce qu'ils ont commencé à découvrir des mystères. Et cela a commencé d'abord par un silence total. Dans un premier temps, ils ont commencé à être dévoilés vis-à-vis de certaines réalités. Et ces réalités étaient tellement fortes qu'ils ont eu peur d'en parler. Parce que en parler devant quelqu'un qui, lui, n'a pas goûté la saveur de ces réalités, la personne pourrait apporter un démenti, dit que c'est faux. Donc, automatiquement, ils se sont tus. Ils ont resté pendant longtemps jusqu'à ce qu'ils aient la permission de parler. Là, nous sommes en train de parler de la naissance du du soufisme. soufisme. On a une légère pause et on revient tout à l'heure. Il y a eu une mutation, mais les gens n'ont pas choisi le mot par hasard. Voilà, Voilà, j'ai dit la dernière fois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis un accent particulier dans ses propos sur le port de la laine. Il a dit dans son enseignement que quand le prophète Moussa est allé à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il était vêtu de la laine. Il a dit aussi que c'est comme si je voyais mon frère Younoussa, le prophète Jonas, il était sur, j'allais dire, une chamelle rouge ou rougeâtre, alors qu'il portait des vêtements de laine. Alors donc tout ça les a amenés à comprendre que les bons qui sont passés portaient de la laine. Le prophète Mohammed lui-même aussi souvent il portait de la laine. Et certains compagnons avec lui aussi portaient de la laine. Et quand on a regardé l'histoire de la laine, quand on tue un animal, on jette la laine quelque part, donc on voit que la laine n'a aucune volonté. Alors donc, cette petite vie de la laine sans volonté-là, les gens ont voulu être cela vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des personnes sans volonté, parce que seule la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors va exister en eux. Alors donc, petit à petit, les gens ont commencé à les appeler des soufis. Les gens ont commencé à les poser des appels des soufis, mais eux-mêmes, ils se sont tus quand ils ont commencé à parler. Alors, leur parole a donné ce qu'on appelle ar-raqa'iq. Ar-raqa'iq, ce sont des paroles très fines qui s'installent facilement dans le cœur de ceux qui l'écoutent. Sans effort, dès l'instant que tu l'écoutes automatiquement, alors tu es emporté positivement par ce qu'ils ont dit. C'est des paroles chargées d'énergie. C'est des paroles chargées d'énergie, mais surtout qui sont très sincères. Parce que ça sort du plus profond de ces personnes. Et bien évidemment, ça s'installe dans le cœur aussi des personnes qui l'écoutent. Alors donc, les gens ont vu comme si c'était un nouveau discours.
parce que l'époque du prophète Mohammed sallam, vis-à-vis d'eux était un peu éloignée. Ils ont oublié que c'est comme ça que le prophète Mohammed lui-même parlait. Quand il s'exprimait automatiquement, tu as l'impression qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas devenir l'homme le meilleur du monde. J'ai dit l'histoire de Hanzala. Hanzala qui va voir le prophète Mohammed sallam, qui dit Ya Rasulallah, laqad nafaqa Hanzala. Le nouveau messager d'Allah, moi, Hanzala que je suis devenu un munafiq. Le prophète dit, mais pourquoi est-ce que tu dis que tu es devenu un munafiq? Il dit, parce que quand je suis avec toi, j'ai l'impression que je pénètre une pureté. Mais quand je me loigne de toi, automatiquement, cette pureté s'éloigne de moi. Je pénètre une pureté de tout ce que tu dis et de par ta proximité. Le prophète lui a dit que « Lautadoubouna alama antum alayhi indama tkoubouna ma'i wa fi zikri lasa fahatkoum malaika » Il dit « Si vous demeurez dans l'état dans lequel vous êtes quand vous êtes avec moi et dans l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous aurez pu même saluer les anges. » C'est-à-dire que vous allez voir les anges sur vos chemins et même sur votre lit, vous allez voir les anges, vous allez les saluer. Donc c'est un état de pureté que les gens parvenaient à atteindre quand ils étaient avec le prophète Mohammed sallam. Et cet état-là, les gens l'ont ressenti avec ces soufis-là. Quand ils parlent automatiquement, tu as l'impression de vouloir être l'ami de Dieu et de fournir tous les efforts possibles pour atteindre Dieu. Et quand ils te loignent de que tu vas retrouver tes satans, automatiquement, tes vilains défauts reviennent à toi. Alors, donc, les rakas, ils ont commencé à sortir et on a senti un fossé entre le discours de ces personnes sincères avec d'autres personnes. Alors donc, les gens commencent à les appeler des soufis. Donc, l'enfant est né maintenant et on vient de faire le baptême de l'enfant. Son discours va être véritablement gênant dans l'histoire même. Tout à fait. Mais souvent, les gens s'étonnent, disent, mais pourquoi est-ce qu'ils ont choisi la laine? Mais l'âge de Sangaré, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, dans tout le corps des métiers, les gens ont une certaine manière de s'habiller. Quand tu vas chez les médecins, tu vas voir qu'ils ont leur blouse. Tu vas chez les mécaniciens, eux aussi, ils ont leur blouse. Alors, tu vas voir les soufis, eux également aussi, ils ont leur blouse qui est la laine. Donc, c'est tout à fait normal. Et c'est comme ça que les choses se sont passées depuis l'aube de la création. Quand il y a un mouvement qui naît, comme de manière extraordinaire, alors il y a un accoutrement qui se crée en fonction de ce mouvement. Et Dieu a voulu que cet accoutrement des grands saints qui l'ont précédé, les prophètes qui étaient la laine, soit l'habillement de ces personnes-là. Mais comme je dis, le port de la laine n'était pas obligatoire. Le plus important, c'est ce qu'a dit Saïd ibn Musayyab quand ce dernier lui posa la question, sommes-nous obligés de porter la laine? Il a dit non, il dit Asleh al-Baka, soubmal bisma shi'ta. Il dit purifie d'abord ton cœur et après, habille-toi de quelque manière que tu veux. Le plus important, c'est la purification du cœur. Est-ce que on peut dégager, si c'est possible de dégager, une forme de, comment je pourrais dire ça, de différence qu'il y a, il y a quand même des tables. Oui, Et c'est au niveau du nom, c'est la même chose, même à cette, c'est en réalité. en réalité, c'est la même chose. Mais c'est une dimension un peu mieux développée. L'ascète peut être quelqu'un qui est assidu à l'adoration, comme l'a dit Cheikh Olamines, Inama tasawwufu zahada wa ibada. L'ascétisme n'est rien d'autre. Le soufisme n'est rien d'autre que l'ascétisme et l'adoration. Donc l'adoration va donner un débouché sur certaines valeurs. Alors ceux-là qui ont pu déboucher sur ces valeurs-là, c'est ceux-là qui ont porté le nom soufi. C'est comme l'école, tout le monde va à l'école, mais ce n'est pas tout le monde qui est universitaire. Quand on arrive à un certain niveau, on va dire que ah, ceux-là, ils sont tant, ceux-ci sont tant, mais pourtant, ils sont tous des apprenants d'une certaine manière. Alors, donc, c'est comme ça que la chose s'est développée. Quand les gens ont commencé à parler de raka'iq, quand les gens ont commencé à parler d'autres choses, parce qu'après, on va développer, on va atteindre plusieurs dimensions. Voilà. Alors. En fait, avec les soufis, le langage a commencé par jeûner, c'est pour l'orthodoxe. C'est pour tenir les discours, les discours en contradiction de fond avec les valeurs de l'islam. Je crois qu'il y a eu ces conflits-là. On va en parler, mais bien avant, je voudrais savoir, toujours par rapport à l'histoire du soufisme, est-ce que ces grandes écoles-là,
les écoles, parce qu'après à Bordeaux, c'est les écoles spirituelles, les écoles de la jurisprudence islamique, aussi bien chez les sunnites que chez les chiites. Est-ce que ces personnes étaient des soufis, ont pratiqué le soufisme? Quand on parle d'Imam Malik, d'Imam Shafi, Tout à est-ce fait. que c'était. En réalité, l'imam Malik lui-même a parlé du soufisme. Ok. Et dans ses propos, il disait: Man tasawwafa walam yatafaqqaha faqad tafassaqa. Wa man tafaqqaha walam yatasawwafa faqad tazandaqa. Wa man jama'a baynahuma faqad tahaqqaqa. Ce qui veut dire que celui-là qui pense qu'il est soufi, tout en négligeant la jurisprudence islamique, parce qu'il n'en sait rien du tout, cette personne ne pourra pas observer l'adoration telle que Dieu l'a recommandée. Donc, il court le risque d'être impervers. Tu as purifié ton cœur, mais tu ignores la loi de Dieu. Comment peux-tu appliquer cette loi-là parce que tu l'ignores? Donc, tu risques de fausser et de faire des fautes. Donc, tu peux être un pervers. Donc, un bon soufi pour lui, c'est celui-là qui a mis un accent particulier sur la purification de son cœur, mais aussi qui a un bagage intellectuel vis-à-vis de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle al-fiqh l'islami. Alors, donc, il dit, mais celui-là qui va apprendre seulement que la loi et qui néglige la purification de son cœur court le risque d'être un hypocrite. Parce que la personne va parler de beaucoup de valeurs spirituelles qu'ils n'ont pas habitées. Il va voir que les grands jurisconsultes ont parlé des grandes valeurs spirituelles. Lui aussi, il va se mettre à parler de ça, mais en réalité, il les ignore parce que c'est une expérience qu'il n'a pas. Et quand tu parles de quelque chose qui n'a pas encore habité ton cœur, tu ressembles à un hypocrite. Donc, il finit, il dit, il dit, celui qui fait la jonction entre la purification de son cœur et l'apprentissage de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ce serait un être réalisé. Alors, donc, Imam Ahmed bin Hanbal, lui, il disait que j'ai pratiqué le soufisme, j'ai suivi les soufis et j'ai profité d'un dire des soufis qui disait que al-waqtu kas-sayfi illam taqta'hu qata'. Il disait que le temps est comme un glaive. Si tu ne le coupes pas, alors c'est lui qui finira par te couper. Pour dire que la bonne utilisation du temps. Le soufi, il y a un soufi à qui on a dit, mais que tes habits sont sales. Pourquoi tu ne les laves pas? Il dit, mais si je les lave, ça va se salir après encore. Il dit, mais si je les salis encore, tu les laves encore? Il dit, mais si je les lave encore après, ça va se salir. On lui dit, mais tu les laves. Il dit, mais regardez, je vous dis la vérité. Dieu ne m'a pas envoyé sur terre pour laver mes habits. Dieu m'a envoyé pour l'adorer. Pour dire que je vais mettre l'accent sur l'essentiel de mon existence sur terre. Les soufis, c'était surtout ça. Mettre l'accent sur l'essentiel de leur existence sur terre. Et les ascètes, c'était aussi comme ça. Alors, donc, bref, tous ces grands maîtres-là qui sont passés, la plupart d'entre eux ont appris des soufis. Je dis bien, même les grands Qari et Qurra étaient tous des soufis. Alors, donc, aujourd'hui, quand on regarde des personnes qui sujet le soufisme, nous savons que c'est par ignorance et rien que l'ignorance. Derrière même, il y a une définition du soufisme qui dit que l'apprentissage seulement n'écarte qu'un voile entre vous et Dieu, qui est le voile de l'ignorance. Mais le reste des voiles demeurent, tels que l'orgueil, l'arrogance, l'ostentation, la vanité, ainsi de suite. Donc, tu es dévoilé par rapport au savoir, tu sais des choses. Et quoi que soit, ceci soit aussi limité, parce que quelque chose, ce que tu sais, ce que tu ne sais pas, est encore plus nombreux. Alors, donc, qu'est-ce que tu fais pour écarter les autres voiles? Donc, pour eux, le soufisme, c'est la recherche des valeurs qui sont capables d'écarter tout type de voile entre toi et Dieu. Et ça n'est possible qu'avec la purification de ton âme. Donc, le soufisme n'est rien d'autre que ça. Alors, donc. Est-ce qu'il y a une question d'environnement? Est-ce que je me trompe si je dis que l'ascète vit en dehors des réalités de sa société et le soufi est dans la société? Je me trompe si fais cette approche-là, que l'ascète s'éloigne pour se consacrer à l'adoration en marge de la société et que le soufi est dans la société
et développe ses aptitudes avec toutes les contradictions. Alors, je vais vous prendre l'exemple d'un soufi contemporain. Il s'agit de Cheikh Ahmad Tidjani, shérif, qui disait, il dit, Bisayri zamani kasir, il dit, suis les transformations de ton époque et adapte-toi avec ça. C'est une question d'identité. C'est une identité qui ne se fond pas dans les différentes mutations. Tu restes dans tes valeurs islamiques. Tu donnes le meilleur de ce que tu as et tu prends le meilleur de ce que les autres te donnent, mais tu gardes ton identité. C'est ça le soufisme. Alors, c'est vrai qu'au début, certains ascètes, en fonction de certains facteurs que nous avons cités, ont préféré vivre en marge de leur société. Alors, mais dans la dimension soufie, c'est se fondre dans sa masse, comprendre tout ce qui se passe autour de soi, mais tout en gardant son identité religieuse. Ce que Dieu ne veut pas, il ne le fait pas. Ce n'est pas le type d'homme qui va dire que, au nom de, je ne sais, une quelconque ouverture d'esprit, que j'irai, par exemple, m'asseoir avec des personnes sur une table où il y a l'alcool pour dire que je suis ouvert d'esprit. Non, ce n'est pas ce type de personne. Il peut te dire, à n'importe quel niveau d'une réunion, moi, je vais prier. C'est là parce que ce sont l'identité. Alors, donc, il se fait respecter et on sait que lui, là, quand on le voit automatiquement, on aura vu un musulman. Alors, donc, c'est ça, cette identité qu'il faut garder. Alors, donc, certaines personnes ont essayé de l'expliquer. Ils ont dit que At-tafa'ul bila zawaban wal-khususiyya bila nghilaq. Se façonner avec son époque sans se fondre dans des valeurs qui ne nous concernent pas, si on peut toujours les appeler comme valeurs, et en même temps donner le meilleur que nous avons sans vouloir faire d'agression culturelle. Vous savez, on parle d'agression culturelle quand l'ex-Soudan est venu vers nous. Cette agression culturelle, c'est essayer de nous en indiquer pour dire que nous ne savons rien et que c'est eux qui savent. Le soufisme, ce n'était pas comme ça. Alors, c'était donner toutes ses valeurs et prendre tort sur toutes tes valeurs, tout en gardant son identité, comme en deux portables, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on appelle ça? En deux, En deux portables, aujourd'hui, tu peux donner des images. transférer les données. Tu transfères les données, mais tes données sont toujours là. C'est pas parce que tu as Au donné dos que et tu n'as plus début, de données, n'est-ce pas? effectivement. Tu donnes toutes les images que tu as à quelqu'un, tout en Ok, gardant tes images toujours avec toi. bien sûr. Voilà. C'est comme ça, donner le meilleur de soi-même et prendre le meilleur de l'autre, tout en gardant ton identité. D'accord, Je dis ok. que, Alors, si j'ai vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure que quand on donne le meilleur de ce que nous avons à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, à son tour, nous fait montre de grâce. Dieu dit, Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Tout ce que Dieu ouvre en termes de grâce à une personne, personne ne peut le retenir. La grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala a plusieurs dimensions. Ça peut être de l'argent, le pouvoir sur terre, mais aussi ça peut être aussi une grande compréhension des réalités divines. Alors, à cette personne-là, à qui Dieu aura donné la compréhension de certaines réalités, c'est tout à fait clair que celui qui n'a pas encore atteint cette dimension soit en contradiction avec lui. Et c'est ainsi qu'on dit que les soufis, eux-mêmes, dans leurs dimensions différentes, les soufis comparés aux autres qui ne sont pas soufis, jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours des contradictions. Parce que celui qui a une plus grande dimension que vous va parler selon l'expérience spirituelle qu'il a, que vous, vous n'avez pas. Et Dieu donne aux gens en fonction de leur expérience spirituelle. Quand Dieu a donné à quelqu'un qui a une plus grande expérience spirituelle que vous, c'est tout à fait normal que vous, qui n'avez pas d'expérience par rapport à cela, que vous ne compreniez pas. Parce que là, c'est une dimension qui vous dépasse. Et souvent même, on aura même l'impression que ces personnes sont en train de blasphémer. Voilà, quand on ne comprend pas, c'est ainsi qu'on a mal jugé Cheikh Ibn al-Hatimi, c'est ainsi qu'on a mal jugé Al-Hallaj, Abu Mansour Al-Hallaj et bien d'autres soufis. Parce qu'ils étaient dans une autre dimension de compréhension en fonction de leur expérience que les autres n'avaient pas. Alors donc, c'est ça qui a créé l'incompréhension entre eux. Sinon, Inch'Allah, ils sont dans la ligne droite qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite ils sont en Dieu en train de naviguer. Alors, en tout cas, merci, Cheikh, de programme de l'analyse. L'émission tient tout à fait à sa fin. Je tiens à préciser qu'on est joignable 01 02 13
0,02 degrés. On va revenir là-dessus de manière plus profonde, Inch'Allah. Alors, il s'agit des personnes qui ont initié un moyen efficace pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont eu l'onction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eux et leurs adeptes deviennent une école. Et cela parce qu'il fut un moment où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa disparition a commencé à être longue, n'est-ce pas? Petit à petit, les gens ont eu besoin d'avoir un maître. Et pourquoi? Parce que, comme l'a dit certains sages, « Man tahaqqaqa bihalatin lam yakhluha diruq minhu » Celui-là qui a été pénétré d'une valeur spirituelle peut contaminer ceux qui sont autour de lui. Là, je parle d'expérience spirituelle. Alors, quand des personnes ont été atteintes de par cette contagion spirituelle, des gens viennent autour d'eux pour pouvoir bénéficier, pour être frappé et contaminé aussi par ces valeurs spirituelles qui sont. Donc cela a créé des écoles. Et la plupart de ces écoles que vous entendez parler, la Qadiriyya, la Shaziriyya, la Rifa'iyya, la Sanusi, ainsi de suite, toutes ces écoles-là ont été initiées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme je l'ai dit, à partir de leur expérience spirituelle, ils vous diront par exemple qu'ils ont vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'éveiller. Cela provient aussi d'une expérience spirituelle. Celui qui n'a pas cette expérience spirituelle dira que non, ce n'est pas possible, nous ne l'avons pas vu écrit dans un livre. Alors qu'on vous dira que celui qui met en application ce qu'il sait, Dieu lui donne le savoir de ce qu'il ne sait pas. Et ça, c'est une expérience. Comme quoi, non, tous les savoirs ne sont pas consignés. Non, ce n'est pas les savoirs livrettes. Voilà, il y a des choses qu'il faut lire entre les livres. Et puis, il y a des choses qu'on obtient à partir de l'expérience qu'on a. Et souvent, c'est des expériences personnelles. Et notre religion est riche d'expériences spirituelles. Voilà. Alors, ce dernier mot va donc introduire en réalité le chapitre donc, de la création des écoles spirituelles à travers lesquelles donc, on apprend à déployer donc, des valeurs spirituelles, donc, toujours dans le commandement du soufisme. Et ça, ce sera donc pour la prochaine édition, Inch'Allah, le samedi prochain, si vous avez vu. Alors, cher frère, peut-être votre dernier mot sur cette histoire, je vais juste revenir sur ce que Cheikh Bamis a dit. Quand il a dit dans sa définition que le soufisme n'est rien d'autre que l'ascétisme, l'adoration et la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est le fruit de l'ascétisme. Et dans l'ascétisme, on s'emploie à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est rien d'autre qu'une série de purifications qui va déboucher si forcément la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est bien compris, on peut dire qu'on aura compris toute l'histoire du soufisme. D'accord, Inch'Allah. Alors, donc, c'est vraiment une grande chance pour nous que ces personnes-là, de par leur effort personnel ou par la grâce de Dieu, qui vivaient un certain état, ont reçu donc la permission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de faire une école et de partager cette expérience-là avec tous ceux qui voudraient bien dans la conversion. Alors, comme je l'ai dit, la semaine prochaine, on va se retrouver ici au Bismillah pour parler des écoles spirituelles. Barakallah, par la grâce de Dieu. Donc, Sissi Mac, donc la fin de cette émission. J'étais très heureux donc, de mener à bien donc, cette émission. Comme je l'ai dit, je recevais donc, le chef Chérif Oumara de l'Aïdi dans votre émission. Il a pris le microphone de Souleymane Sangaré. La mise en onde a été assurée par Moussa Baillé. Je tiens à remercier donc, M. Ouattara Sina et donc, la présidente aussi. Do you like it?